Batsman. Quoi ? Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. C'est un VPN qui te permet de sécuriser tes données mobiles afin de... Attends, t'es sérieux là ? Parce que moi je veux pas de placement produit. Mais bien sûr que non, imbécile ! Tu crois que le créateur de cette chaîne aura un jour un annonceur assez con pour faire un partenariat avec lui ? On n'a pas encore atteint les 1000 abonnés, je te ferai dire. Et entre nous, demandez à un mec qui fait des blagues sur toutes les minorités, les juifs, les gays, les femmes, les noirs, les arabes et les nazis, c'est pas vraiment la démarche commerciale du siècle de lui demander de parler d'un truc en bien. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je sais pas. J'avais prévu de te laisser assister impuissant à l'explosion des deux bombes que j'avais cachées dans les deux bateaux qui quittent Gotham. Mais puisqu'à cause de toutes les fois où tu m'as fracassé le crâne contre cette vitre, je commence à avoir des maux de tête, je me suis dit que je comptais te faire souffrir encore plus. Et comment tu comptes t'y prendre ? En te faisant des blagues, Batman. Mes blagues. 30 blagues de merde. Non ! Tu sais ce que c'est un Somalien en prison ? Comment t'as fait pour revenir, toi ? Un barreau de plus ! C'est l'histoire d'un zoophile qui rentre dans un bar. Que dit un juif quand il se fait enculer ? Oh, je juif ! Je t'ai déjà dit, ça suffit avec les juifs ! Qu'est-ce qui court plus vite qu'Usain Bolt ? Si tu finis cette blague, t'es un homme mort. T'es pas cap. On parie. 50 euros. Tenu. Un Somalien avec un ticket resto. Allez, dégage. Qu'est-ce que Cyril Hanouna en Afrique ? Baba Africa. Sale fanzouze. Quelle est la différence entre une femme et un miroir ? Le miroir, il réfléchit sans parler. Et la femme, elle parle sans réfléchir. Arles serait heureuse de l'entendre. Arles qui ? Quelle est la chose la plus intelligente qui est jamais sortie de la bouche d'une femme ? Si tu termines cette blague, fraté, on va finir comme Tex. La queue d'Albert Einstein ! Je me désolidarise de ses propos. Qu'est-ce qui est pire qu'un bébé dans une poubelle ? Oh non, je la connais celle-là. Un bébé dans deux poubelles. Allez, dégage. Non, attends, elle est en deux parties. Combien de temps met un rebeu à descendre les poubelles ? 9 mois ! Va te la foutre. Tu sais comment un lépreux sait qu'un chewing-gum est sur le passage piéton ? En voyant sa jambe rester collée ! C'est justement ce que je vais te briser dans pas longtemps. Tu sais comment asseoir 3 homosexuels sur un même tabouret ? On leur demande de se serrer dessus. On le retourne ! Oh putain ! Pourquoi les USA ne peuvent pas jouer aux échecs ? Parce qu'il leur manque de tours ! Non, arrête, on va se faire ! Le point commun entre les noirs et les crèmes. Ne finis pas cette blague. C'est meilleur quand c'est fouetté. Il a fini cette blague. Tu sais pourquoi il n'y a pas d'arabes dans les jeux de baston ? Et Rachid dans Street Fighter 5, c'est quoi pour toi, enculé ? Parce qu'ils aiment pas le 1v1. Le point commun entre une naissance et une biscotte. Quand c'est noir, c'est raté. Mais casse-toi ! Quel est le palace le plus étoilé du monde ? Ça doit être sur Paris. Auschwitz, avec plus d'un million d'étoiles ! Putain de nazi ! Tu connais la blague avec les noirs qui se font renverser par une voiture ? Non. Moi non plus. Mais le début de l'histoire commence bien ! Adieu. Pour quelle raison les retraités adorent les bains de boue ? Respecte nos aînés ! Pour s'habituer au goût de la terre ! Petit bâtard. Selon toi, qu'est-ce qui est tout vert, qui monte et qui descend très vite ? Une infinité de trucs. Un scout sur les genoux d'un prêtre ! Alors que je sortais de chez moi, un SDF m'a parlé. Il voulait savoir si j'avais une pièce pour manger. Je lui ai dit que oui, et que ça avait un nom, une salle à manger ! Ordure capitaliste. À quel endroit se trouvent les tétraplégiques ? Au bordel. Là où on les a laissés ! Du vent ! La différence entre une part de pizza et une prostituée ? Plein ! La pizza, t'as le choix d'avoir des champignons ! Qu'est-ce qu'un noir qui vole ? Pitié, non. Un Somalien qui a allumé un ventilateur ! Un lépreux se balade dans un champ. Il tombe et paf ! Ça fait les chocs à pic ! J'ai dit, pas de placement produit. Qu'est-ce que 2 arabes sur un vélo ? Arrête-toi, maintenant ! De con ! Parce qu'ils auraient pu en voler 2 ! Tu sais ce que c'est, 2 noirs dans un sac de couchage ? Un Twix ! Des millénaires d'évolution pour en arriver là. Pourquoi les lesbiennes aiment-elles avoir des amis gays ? Parce qu'il faut bien que quelqu'un sache faire la cuisine ! Sans déconner ! Attends, attends, et pourquoi les gays aiment-ils avoir des amis lesbiennes ?
parce qu'il faut bien que quelqu'un s'occupe du gazon. Ça suffit. C'est quoi les règles du cache-cache en Éthiopie? Les mêmes qu'en France. Pas plus de 10 derrière un arbre. Qu'est-ce qui est mouillé, vert bouteille et qui gigote? J'en sais rien. Le petit Grégory dans un sac poubelle. Respecte les morts, sale fils de pute. Et qu'est-ce qui est mouillé, vert bouteille et qui flotte au large des Seychelles? Le petit Grégory en vacances. Oh, tu l'as pas volé, celle-là, enfoiré. C'est un pédophile qui va à une école. Oh non. Il fait monter une petite dans sa voiture. Non. Et dit... Non. Tu sais ce que c'est, un pénis? Non. Non? C'est quoi? Arrête. Le pédophile sort son chibre et le montre à la gamine. Bordel de merde. Et elle répond... Ah ok, c'est comme une bite mais en plus petit. Bon, ça va. Ça aurait pu être pire. Et après, elle le suce. Non. Aïe.